avec la Hongroise from Hungary, Katalin Ivani. Voilà pour la première série. Toujours les deux premières qualifiées là encore. Toujours. Youth Ladies, quarter final. À tête prêt au départ. Allez, on est parti pour ce premier quart de finale chez les Youth Ladies. Et c'est l'Italie pour l'instant qui prend la première place avec Rita De Gianni. En seconde, deuxième position, on retrouve la Portugaise Francisca Henriquez. Romain Courtois qui est en deuxième, troisième position pour Roman, la France. Ensuite, on retrouve l'Hongrie avec Katalin Ivani. Ouais, toujours l'Italie, Rita De Gianni. Est-ce que Romain Courtois va réussir à prendre la deuxième place? Dernier tour, last lap, l'Italie en première position. Il faut que la Française arrive à dépasser la Portugaise. Le Portugal bien placé à l'amorce du dernier virage. Mais attention, on n'a pas dit son dernier mot. Romane Courtois dans la dernière ligne droite, elle va tout donner. Elle va passer, oui, non. Ah, c'est bien, elle est bien. L'Italienne De Gianni et la Portugaise Henriquez qui se qualifient. Et c'est parti, les premiers mètres, tout de suite, la puissance de l'Espagnol. Mais l'Italienne a très habilement pris la première place dans ses premiers hectomètres. Derrière, la Pologne s'accroche avec ce grand balancier de bras. La Portugaise, un petit peu distancée, mais reste compétitive. On va aborder très, très rapidement le dernier tour. On va entendre la cloche qui retentit. We will ring the bell for the last lap, the last lap. The Italian girl is leading, but the Spanish, it's very hot, very hot. Ça s'est bousculé, la Polonaise en a profité. The Polish lady is now right now leading. Elle se prend. Attention, ça va être chaud pour la deuxième place. La Polonaise va l'emporter. Et elle se jette sur la ligne, mais il semble bien que l'Espagnol... On va attendre justement... Olenis Mercado est conservé un... Petit patin d'avance. On va attendre justement le résultat officiel qui va tomber. No false. On vérifie donc à la vidéo la légalité de cette course avant de lancer le prochain quart de finale. On le rappelle, l'Italie, l'Espagne, la République tchèque et la France. Athlète prêt au Negri, départ. Rodriguez, Dicastova, Brel. Allez, on est parti pour donc ce troisième quart de finale, et c'est l'Italienne qui a pris la première position. Asia Negri en deuxième place. On retrouve l'Espagne, Ona Rodriguez. Ensuite, la France et Noéline Brel. Oui, Noéline qui est maintenant dans les patins des concurrentes qui la précèdent, l'Espagnole et l'Italienne. Attention, la Tchèque est distancée. C'est le dernier tour. Et the last lap with the bell. Last lap. Noélie have to go closer. Elle doit se rapprocher, Noélie. L'Italienne qui est en bonne position à l'amorce du dernier virage. Ça va être très, très difficile. Allez, elle donne tout pour être sur la ligne. Non, ça sera l'Italie et l'Espagne. The Spanish and Italian ladies are qualified for semifinals. Malheureusement, from Belgium, de la Belgique, Lisa Van Steenkist. Et puis, des Pays-Bas, encore une fois, from Netherlands, once again, Asia Renda. Et la Polonaise, from Poland, Cornelia Wozniak, sera la quatrième concurrente de ce ultime quart de finale. On attend que le feu passe au vert. We're expecting the green light to start to throw this last and ultime quarter final. Place à la course. Elles sont parties, il n'y a pas de faux départ. Et tout de suite, les deux Néerlandaises aux avant-postes avec la Belge qui
a réussi à se placer devant la Polonaise. Les deux Néerlandaises font une course d'équipe. Elles ont bien lancé leur quart de finale. La Belge s'accroche. La concurrente Sissona van Steenkist. Et attention parce que les deux représentants des Pays-Bas à l'amorce du dernier tour ont toujours le leadership. Pour l'instant, c'est toujours la vice-championne du monde du 500 mètres sur glace qui est aux avant-postes. Ensuite, derrière, comme tu l'annonçais, Dominique, sa coéquipière de team, la personne donc de Asia Randa. Mais ça revient par Belgique, la Belgique, la Belgique, la Belgique. Oui, ouh, sur ce lancer de patin, il semble bien que Lisa van Steenkist se soit qualifiée. Et qui est la première des deux Néerlandaises à avoir franchi la ligne? Angèle Dalleman, la vice-championne du monde du 500 mètres sur glace, qui remporte donc ce 500 mètres. Dossard 634, Chip 634 and 601 qualified for semifinals. C'est confirmé, Dominique, avec Angèle Dalleman et Lisa van Steenkist. Merci mon cher Freddy. Voilà, c'en est terminé des quarts de finale chez les Youth Ladies. On va passer maintenant à la catégorie supérieure en âge.